des frais. Ah ouais, pour les plus, hein. Je veux pas que tu aies le temps. Vas-y, quoi, ton plan. Alors, le soleil dessus. Alors bonjour les enfants. Bonjour. Les croix, il y en a beaucoup comme ça qui sont éparpillées un petit peu dans la campagne. À l'époque, dès le début du Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'an 1000 à peu près, les gens ont commencé à dresser des croix un peu partout, mais pas n'importe comment. Il y avait des croix comme celles que vous avez vues tout à l'heure à l'entrée du chemin, qui avaient pour but de protéger les récoltes. Les paysans, les gens à l'époque étaient très croyants et ils dressaient des croix comme ça pour protéger les champs, les vignes, des récoltes. C'est des mauvais temps, de la grêle, des orages, mais aussi des voleurs. Et aussi, parce qu'ils étaient aussi superstitieux, du mauvais sort. Alors, cette route, ce chemin était très important à l'époque puisqu'il venait de Villas et il allait à Florensac. Il y a la croix qui est en fer. Alors cette croix a deux particularités. Eh bien ça représente là aussi la lance avec laquelle, au bout de laquelle on avait mis une éponge. Et dans cette éponge était imbibée de vinaigre. Permettait aux chevaux de passer dessus et d'aller, et les chevaux et les charrettes d'aller juste au moulin, à l'entrée, mais il y avait aussi deux ponts-levis. C'est bien, ça vous plaît? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là, vous? Du tambourin. Vous êtes allé où? Au tambourin? Un peu du tambourin, après on a marché. Vous avez joué? Ouais. Ah, file-moi la chaise, là. Allez, la chaise. Ça donne envie de manger. Le papier, est là-bas. Ah, il est parti là-bas. Vite, papa, il faut que ce soit que ça tombe. On a fait un saucisson et chocolat. Non, un tesson de bouteille. Pas un tesson, c'est le boulot. On se met là. Je suis pas au tambourin. Allez. Voilà ce qu'il faut faire. Non mais c'est pas grave, après il nous faut rechercher où c'est que c'est.
Des balles, s'il vous plaît. Moi, avant, j'ai pied. Et les balles, c'est là-bas. Là, les balles. Les balles sont là. Qui sait qui veut faire jouer la balle derrière elle, parce que la balle, il faut qu'elle passe. Allez, deux secondes. Tu la lances, tu dois la récupérer. Tu dois la récupérer, tu dois la récupérer. Bon, hein. Allez. Allez, allez, allez. Voilà, allez. C'est très bien. Tu l'as Allez. J'ai gagné le championnat de France. Voilà. Très bien. Allez. C'est un zoom de près. Étoile. Il a un gros zoom. Et si vous parlez, vous n'aurez pas le cadeau. Je voulais vous remercier à tous de votre participation pour cette journée à la Semaine Bleue. Donc la Semaine Bleue, vous avez dû entendre parler de ça à la télévision. C'est une journée intergénérationnelle entre les seniors et les enfants. Donc c'est une journée pour notre part qui est réussie. Donc merci beaucoup de votre participation. Sur les trois ateliers, ça a été très sympathique et ça a été un échange agréable pour tout le monde. Les résidents de la maison de retraite aussi sont ravis. Ça leur donne un peu de gaieté, de jeunesse un jour comme aujourd'hui, avec grâce à vous. Et puis, je vous dis pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, vous serez au collège, mais à une prochaine fois pour une autre animation peut-être. Là. Merci. Voilà. Et pour vous remercier, donc, vous aurez tous une petite clé USB. Voilà. Ah ouais. Marqué donc Semaine Bleue 2016, le CLIC, le FANAL. Alors le CLIC, c'est une association qui s'occupe des personnes de plus de 60 ans. Merci encore à vous et on peut s'applaudir très fort. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. La pochette. Et ben voilà, maintenant on a Toujours.